Bonjour guys, on va faire quelque chose. On va commencer en ancien rooster. On va commencer en. Parce qu'il n'y a peut-être pas 2004, parce que 2004, ça sera plate. C'est quoi cette draft à Press en 2005? Respire. On refait la ligne nationale au complet en commençant en 2004. NHL 2004. Fait que pendant que ça load pis tout, guys, je vous reviens. Bon, toutes les choses sont faites, guys. On est avec les Canadiens de Montréal. C'est ça. Parce qu'il faut pas s'en oublier. Dans le temps, il n'y avait pas de masse salariale. Fait qu'on peut, on peut avoir 5 millions. De prix sa masse, la ligue s'en foutait. N'y avait pas de cap, il n'y avait pas de floor. Comme on dit, il n'y avait rien. Ouais, Théodore et Huet comme gardien. NHL. Et juste sur fuck. Kovalev. Stéphane Ribdi. André Markel. On va avancer, je vais avancer jusqu'à temps que. Jusqu'à temps que la saison commence. Bon, un petit soleil, on est rendu au 1er septembre 2004. L'année je suis né. Là, j'avais 12, 9 mois. J'étais un young levasseur. J'étais un tout petit young levasseur, Jason Woolley. Ça vous croyez-vous back soon? Il y avait comme un match. Il n'y avait pas de saison en 2004, c'est vrai. Il n'y a pas eu de saison cette année-là. Je vous reviens si on a des matchs. Update, je suis rendu le 1er février. Je chope des joueurs qui veulent plus signer à Montréal. Pour aller chercher des jeunes. Je vais faire une reconstruction. Tranquillement, pas vite avec ces Canadiens de Montréal.
Marc Bouchard. Puis on l'avait déjà dans, mais il va pas rester à Montréal. Fait qu'on va le rééchanger. Un filet à 35. Je pense que ça va être Philly qui nous donne un choix de 5. On va renvoyer Eric Lindros avec les Flyers de Philadelphie. Bon, on va continuer. Fait que je vous reviens dès qu'on a des nouvelles. Ça date 30 avril 2005. On veut y aller d'une reconstruction. Fait que tenter d'échanger des Alex Kovalev de ce monde. Des Craig Reavey. Mais ça, coucou et vous, on garde ça. Tu as de la raison de garder ça. Un Cristobal, lui, on peut échanger ça aussi. On est rendu le 1er avril. Pardon, en fait, 1er juillet. Et des équipes. Ils ont perdu des noms. Recurring Free Agent. Non. Free Agent Center. On veut aller dans la jeunesse avec un Dan Girardi. Signe ici un Yaroslav Halak. On va signer ça. Stéphane Jett. Oui, on va aller dans la vieille, dans la jeunesse, mais. Reprenons un petit Henrik Lindros. Ah, on avait 9 sur 50 des contrats. Detroit. Yann Denis. Olivier Michaud. Résistant. C'est le pire qui a 20 ans. Test de la transaction. Hunting. Ça. Henrik Kostitin. Yaroslav Halak. Mark Streit. Oubliez ces deux, hein. Fred O'Duck, au Mighty Ducks. Le droit de lui, Richardson. Les droits de lui, compte. Un choix de 5. Ah, oh, là, il y a un cap. Le cap était 42 000. Le Floyd a dit 33 000. Le cap est arrivé cette année. T'as Craig Vivet contre Alexander Radulov. Je dirais pas non. Oh, c'était chaud. Ça veut dire que les Penguins vont avoir le cinquième. Les Sens vont avoir Price. Dude.
Parfait, 1.1. Pareil, on a des bons. Hein. Crosby avec les Stars, Price avec Dallas, Oshie avec Saint-Louis, Quick, Philly, Bishop, le top avec les Flames. Bon, c'est là qu'il faut qu'on choisisse bien. Rask. Ben Scrivens. Oh, David Dernier. On va aller avec un petit tout carrasque. Poignée David Dernier. Après ça. Poignée un petit Jordy Ben, guys. Un jeune Anton Strandman. Pierre-Édouard Belmont. Raphaël Thiel. Je vais échanger mes deux choix qui me restent au dos quand un choix 5. De l'an prochain. Un choix 6 de l'an prochain d'abord. Fait que là, guys, sur ça, la vidéo va s'arrêter là. Je sais que ça n'a pas été long, mais on va s'arrêter là pour que la prochaine saison, pour que la prochaine vidéo, on commence. La saison. Fac. Fac. Sur ce, guys. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Ciao, ciao.